la plongée sous-marine est un désastre écologique. En tout cas, c'est ce que j'entends depuis plusieurs années déjà. Personnellement, j'en ai marre de voir des documentaires sur des plages détruites ou bien des articles de blog qui nous explique pourquoi il ne faut pas nager avec des requins-baleines parce que le tourisme c'est mal. Pour moi, c'est un peu du gâchis, car comme vous allez le voir dans cette vidéo, non seulement en tant que touriste, vous pouvez avoir un impact positif, mais vous pouvez aussi directement participer à des programmes de conservation. Alors ouais, aujourd'hui pas de fatalisme, je vais nous redonner espoir pour vos vacances d'été. Et nous allons voir comment pratiquer notre passion pour les bulles tout en minimisant notre impact. Car oui, la plongée responsable ça existe et ça déchire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée. Ceci est une vidéo au format Argonaut Pro qui est un format où j'essaye de vous donner un maximum de conseils pour vos futures plongées. Et le sujet d'aujourd'hui est assez sensible car on va parler d'écologie et de tourisme. Ouais. Évidemment, vous êtes libre d'être en désaccord et de me le dire en commentaire. Mais j'ai besoin de faire cette vidéo parce que franchement, j'en ai marre. J'en ai marre que l'on cite systématiquement les problèmes du tourisme sans jamais mettre en avant le nombre incroyable d'initiatives pour rendre la plongée moins polluante. On ne se focalise que sur l'aspect négatif et on passe à côté de plein de petites actions concrètes où vous pouvez directement être impliqué. D'ailleurs, vous allez voir plein d'exemples dans cette vidéo. Mais petite mise au point, la chaîne Argonaut Plongée n'est pas là pour vous faire la morale, hein, vous faites comme vous voulez. Ceci étant dit, je trouve que l'on perçoit le tourisme de façon un peu trop négative. Car au-delà du plaisir même de la découverte et de l'aventure, le voyage peut avoir d'autres bienfaits. Selon moi, en tant que plongeur-voyageur, vous avez du pouvoir et nous pouvons avoir un impact positif ou négatif sur les endroits où on se rend. Par exemple, je regarde régulièrement des articles Facebook critiquant l'exploitation touristique des requins-baleines aux Philippines. C'est un classique. Alors, sachez qu'avant le tourisme, les locaux tuaient les requins car ils abîmaient les filets et ensuite ils allaient revendre les ailerons. Et ça, c'est un exemple parmi moult. Alors plutôt que de boycotter toute l'industrie, vous pouvez plutôt sélectionner les choses qui vous correspondent. Car lorsque vous choisissez une structure pour plonger, en fonction de vos critères, vous allez indirectement mettre en place des standards. Soit vous décidez de mettre comme standard absolu le tarif le plus bas, et là on se retrouve avec les déviances qu'on a pu voir en Asie ou en Australie, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. C'est pas ouf. Soit vous pouvez fixer des standards qui s'orientent vers la conservation marine. Et là, non seulement en donnant de l'argent à ces centres, vous allez les aider à grandir, mais en plus, vous montrez aux autres structures qu'il y a un intérêt à ce genre de pratique. Alors je pense qu'il y a deux façons d'être acteur en voyage. Vous pouvez l'être de façon indirecte ou bien en étant un acteur direct, c'est-à-dire en prenant part à des projets. Et pour ce point, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous présenter mon ami Andrew, qui vous propose au calme de reconstruire un récif lors de vos vacances. Tranquille. Mais commençons par les actions indirectes. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez devenir un acteur positif par vos choix. Au salon de la plongée, j'ai vu beaucoup de belles alternatives et de belles propositions. Quand vous choisirez une destination en France, par exemple, vous pouvez sélectionner un centre qui a un partenariat avec une association de conservation marine. En Bretagne, c'était le cas pour des requins et des hommes qui travaillaient avec un centre local. Lors de leur sortie, pour voir le requin taupe commun, alias le grand requin breton, ce centre de plongée réservait des places à des biologistes pour étudier les interactions. Je vous invite évidemment à les contacter pour avoir plus d'infos et à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le requin taupe commun. Hein, bah oui, tant qu'à faire. Deuxièmement, la lutte contre l'impact carbone. Alors là, j'ai envie de vous parler d'IH plongée en Martinique. Eux, ils ont pris le parti de construire un bateau entièrement solaire, station de gonflage comprise. Ça veut dire pas de générateur à essence, pas de gros diesel qui fume, pas d'huile de vidange à changer. Je trouve ça génial et personnellement, je pense que c'est l'avenir de la plongée. Et nous, indirectement en choisissant ce type de centre, eh bien, on va avoir un impact. D'ailleurs, je compte bien vous en faire une vidéo complète un jour, mais pour ça, il faut que j'aille en Martinique. Donc, c'est pas encore gagné. Troisièmement, l'impact local. Pour finir cette partie, au salon de la plongée, j'ai pu rencontrer Yanni Suriyemi, l'une des gérantes de l'association qui gère les bateaux de croisière plongée en Sulawesi. Et elle m'a montré le développement de l'activité touristique locale en impliquant des pêcheurs et les services d'État pour proposer en fait une structure touristique non destructrice et viable pour les locaux. Et étant donné que Yanni Suriyemi fait partie du comité qui gère les bateaux de croisière, si elle montre au gouvernement indonésien que ce type de tourisme est viable économiquement, eh bien cela va inciter les autorités à bien contrôler activités et à protéger le littoral contre la pêche à la dynamite par exemple. Mais
ce que j'essaie de vous dire, c'est que partout, vous allez trouver des personnes qui essayent d'allier le tourisme et le respect de l'environnement. Et si vous cherchez à aller encore plus loin, eh bien, laissez-moi vous parler de mes expériences où vous pourrez directement être acteur, voyage éco-responsable. Alors, premièrement, ce sont les études scientifiques. Par exemple, vous pouvez participer à une croisière sur plusieurs jours qui, en plus des plongeurs, va embarquer des scientifiques. C'est très courant avec les campagnes d'études de Raymonta, par exemple, et d'ailleurs, je vous invite à contacter MantaTrust si vous voulez rejoindre ce genre de croisière. Ils en font en Maldives, mais aussi au Pacifique. Et là, non seulement votre argent va permettre à des scientifiques de venir, mais vous pouvez aussi mettre la main à la pâte car ils étudieront vos images pour faire peut-être de la photo-identification. Moi, j'ai pu observer ce genre de projet à Nusa Penida, où MantaTrust a aussi des représentants et des centres partenaires. Encore une fois, contactez-les si vous voulez en savoir plus. Deuxièmement, l'aide sur le terrain. Beaucoup de fondations marines ont besoin de petits bras pour entretenir certains sites de plongée. Alors, durant vos vacances, vous pouvez envisager de dédier une voire deux plongées pour entretenir les structures sous-marines. À Saba, nous avions une nurserie, ce sont les structures que vous voyez à l'image. Et toutes les semaines, les biologistes doivent venir avec une petite brosse à dents pour gratter le PVC et empêcher les algues parasites de déranger les jeunes coraux. Du coup, durant leur séjour, nos clients pouvaient faire quelques immersions avec des plongées dédiées à la biologie. Et là, c'est génial. Non seulement l'argent de cette plongée est reversé à la fondation, mais en plus, vous, en tant que plongeur, ça vous fera une plongée vraiment différente. D'ailleurs, si vous êtes un centre de plongée francophone qui pratique ce genre de choses, eh bien, n'hésitez pas aussi à me contacter ou à me le dire en commentaire. À terme, je vais essayer de mettre en place un annuaire sur mon canal Discord avec toutes les petites adresses qui font ce genre de programme. Mais avant de vous montrer le dernier exemple pour être un super acteur, je dois vous dire que cette vidéo ne contient pas d'affiliation. Je fais toute cette promotion gratuitement car c'est important pour moi. Par contre, si vous voulez plus de détails et plus de conseils, eh bien je vous invite à me rejoindre sur mon canal Discord privé. C'est une des contreparties que vous obtenez en devenant contributeur de la chaîne Argonaut Plongée via Tipeee et le lien est en description. En devenant contributeur, vous aurez accès à du contenu exclusif, à un live hebdomadaire où vous pouvez poser toutes vos questions, à une communauté de plongeurs passionnés où on s'échange conseils et adresses, et à terme à des offres exclusives avec certains centres. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre notre communauté de plongeurs, et en plus ça me permet de financer la chaîne et donc de continuer à faire des vidéos comme celle-là où je mets en avant les acteurs qui partagent nos valeurs. Donc à bientôt sur Discord. Maintenant, c'est la partie avec les belles images. Troisième façon d'être acteur, vous pouvez suivre des formations en biologie. Donc pour finir, je voudrais vous parler de l'un des projets de tourisme slash conservation le plus cool que je connaisse. Partons maintenant à Nusa Lemongan pour rejoindre mon ami Andrew Taylor, non, Mike Taylor et Blue Corner Diver qui reconstruit maintenant depuis 5 ans tout un morceau de littoral qui fut détruit par ce même tourisme de masse. Et ouais, la boucle est bouclée. Il a mis en place un programme de formation allant de quelques jours à un mois où vous pouvez non seulement apprendre les bases en biomarine, que déjà pas mal, mais surtout participer à l'installation et la transplantation de coraux sur un récif artificiel. Ce sont les images que vous voyez en ce moment. De plus, la formation d'un mois finit sur un certificat reconnu CEMAS, et pour les professionnels, c'est toujours un plus, surtout si vous souhaitez vous rapprocher de resorts éco-responsables. C'est assez demandé aux Maldives ou dans les petites îles reculées un peu exclusives. Et sérieusement, imaginez juste 2 minutes. Vous participez à un programme de conservation. Vous allez prendre un morceau d'acropora que vous allez transplanter sur une structure métallique, et si vous revenez peut-être dans 5 ou 10 ans, et ben il y aura peut-être un récif. D'ailleurs, regardez ces images. Là, chaque bloc de corail, c'est un récif artificiel qui a réussi. Et en plus, chaque étape de cette formation vous amène à plonger dans des zones parfois techniques. Donc, en plus de faire un truc utile, vous allez vraiment progresser dans vos compétences de plongeur. Parce qu'il faut avoir un bon contrôle de la flottabilité pour faire ça. Perso, si je devais organiser des voyages, eh ben, ça ressemblerait plutôt à ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous parle autant que moi. Si la transplantation de corail vous intéresse, je vous invite à regarder ce docu, hein, juste là. C'est les images que j'ai produites aux Caraïbes. Alors, c'était les débuts de la chaîne, mais ça reste intéressant. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur Twitch. Si vous ne le savez pas, maintenant, il y a des live Twitch. Et pour les contributeurs, eh bien, on se voit lundi prochain sur Discord pour parler justement en détail de certaines petites destinations. Et comme toujours, on se voit dans le bleu.